c'est légal. Ces appartements humains sont supérieurs à la moyenne, ces prix aussi d'ailleurs. Ils mettent deux chauffeurs par bahut, les deux sont volés. Les Hurtons m'a dit qu'un des deux était toujours armé. On s'est intéressé à lui l'année dernière quand un de ses chauffeurs a tiré sur un soi-disant voleur. L'arme avait été légalement déclarée. Sweat n'a pas été inquiété. Gerald Lucas est employé en tant que responsable de la sécurité. Mais je n'ai pas trouvé de contrat de travail pour les Hurtons. C'est parce qu'il bossait au noir. Pourquoi m'en faites pas venir Sweat pour lui en parler? Pour trois bonnes raisons. Que transporte-t-il? Vers quelle destination et pour qui le fait-il? Difficile de mener un interrogatoire sans savoir qui, quoi, pourquoi, où ça et comment. Mais on sait comment. D'accord. Dans deux minutes. Non. Faut rester là. Faut manger. Et vous buvez. Je vais bien. Vous irez bien quand je le dirai. Et quand l'amour le dira. Non, vous avez pinché le coup, monsieur. Il a mis son copain. 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 Bomba. Perché ti chiama Benedicte, mi fa capire che ho parlato di tutti in appagato. J'imagine la douleur que ce pauvre garçon va ressentir à la suite de cette perte. À condition qu'il soit d'une de ces cultures orientales. Au Orient ou Occident, le fait de sauver la vie d'un autre tisse un lien très puissant. C'est bien d'ailleurs démontré. Ah, il est bien. Pour ça qu'on est avec mon compagnon d'avance. Ça lui fait un peu. C'est vrai que vous avez eu votre dose. Mais je te relance. Je suis pas à plaindre depuis quand. Vous savez pas comment je fais, je pourrai jamais être. J'ai acquis la poudre. Vous m'appelez que quand vous avez besoin de moi. Apparemment, quand j'ai besoin de faire des reproches. Un shot de Léodorel sorti même rond. J'ai des méthodiques pour croyer quelqu'un pour lui faire parler. Je demande ce qu'il devait dire. Il court qu'il rentre, il arrête. Je vais rien dire. Tu veux Puis Mais c'est curé, c'est toi, il chico. Chico, c'est un peu. Deux amours pour exceptionnels, il y a 15 jours, au Hugo, Texas et autour de Nouveau-Mexique. Bon, appelle bas. Qui est ce témoin mystère qui fait que. Bah, un peu. Un témoin mystère. Je vois. Et bien, dans ce cas, tu ne sauras pas ce que dit. Ils ont. Tu vas le dire. Souhaite est un trafiquant qui est passé au meurtre pour qu'on empêche ce
camion de partir. Oui, qu'on mette quelqu'un dedans. Oh, de quoi vous parlez, là? De laisser Rambo nous faire le film du carnage? J'espère pas. Tu fais trop confiance à ce type, tu sais. Vous jouez très gros sur ce coup-là, j'ai trop. Ale mi nenedir tvůj slovo o kanáli a na tedy subjektu a na palacu tvůj. Jo, zazli dělali. Na vás má vanky o kravotinu, protože ty kapají někdo mek. Musíš jít o někdo z nůžu. Já to je. Je to jediný. Musím. Někdy můžu rád pojasnit. Merci. Hugo, tu te souviens de ta vie en Afrique? Oui, je me souviens. Qu'est-ce que tu penses? Non. Ah, tu crois pas Martin, c'est là. Parce que notre police, il va être là. Non. J'ai installé le micro-télescopie, écoute ça.
Sotkov. Tu dois faire gaffe avec toute cette caféine. Comme Sotkov, comme... Et du sucre. Qui saute une queue. C'est beaucoup de sucre. Et voilà. Et c'est rachinonné. Yeah. Très... Il se mord ses gorges, je m'en souviens quand même. Oh! Oh, Rachin, qui est là? Ça, ça va bien d'être recueilli. Ça a quand même pété. Moi, je suis sûr de ce que. Ah, bien, je suis. C'est pas si bien le temps, mais il est bien. Je joue quand même, mais non, je crois. Tu devrais lui dire non, on sera là aussi. Oh, il cherche une quand même qu'on dit la bête. Isolé. Non. Oh, oh, je cherche une quand même. C'est pas si. C'est pas si. Je suis sûr que tu me dis que tu es une petite fille, moi aussi, quoi. Mon vilain, je suis sûr que tu es une petite fille. Oh, William, t'es là. Non, frère, tu es. Et c'est déjà fun là. Bon, Dylan, mais tu as un choix si tu verras. Quand on a un nom de nom, c'est normal, mais si tu veux un nom. Merci. Seul, tu peux monter quand ça. Oh, mais c'est une skill, c'est sûr. Jumbo Fortnite, Jumbo Nelshot ou Gir. Encore lui. Oh non, frère, c'est une skill. Oh, je suis monté, mais dans sa manche. Ah, je suis là. Ah, je suis là. Oh, on est là. Par contre, non, il chose. On en est là. Yeah. On rechigne. Non, Moudel. Ah non. Qu'est-ce que tu as dit? Et aussi de faire gaffe aux flics. Et le camion est à 1000 pattes.
ça. Un cerci vitesse et ses intermédiaires. Donc 12 au total. Il faut doubler les briquets pour les monter et pour les descendre. Laisse toujours le pied sur le frein. Et arrête de tapoter avec tes doigts. Je fais pas de tapoter avec tes doigts. J'observe cette verrière, cette immense. G-A-S-O. J-L. Tiens-toi, les deux vont s'arrêter faire le plan. Ouais. Bon, on arrête le café. Il y en avait plus de tout passant des routes. On peut s'arrêter à la station. Moi aussi, je dois faire le plan. Des véhicules qui se remarquent pas, ou pas celui qui s'en marque. Tu claques des dents, tu sais. Station service sur le 409. Voici le point de contact. Où êtes-vous? On vient de la passer. Doucement, fais doucement.
J'attendais du matériel, pas des agents fédéraux. C'est pas grave chez vous, les livraisons de matériel au milieu de la nuit. Quand je m'intéresse à une chose, je lui accorde toute mon attention, quel que soit le milieu. Mais puis-je savoir pourquoi ce chargement inquiète vos services? Nous pensons qu'un malfaiteur va tenter de s'en emparer. Et ce malfaiteur, ça n'a... C'est le poste en train de l'enquête en cours, on peut pas vous le dire, mais son camion est enregistré à San Diego. Alors c'est Aaron Sweat. Un ravalement de façade n'enlève pas la crasse à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous fait penser à lui? Il est le plus concerné de tous dans le contenu de ce camion. Pourquoi? Parce que ce contenu est à lui. Un vrai gentleman, ce qu'à l'évidence il n'est pas, honore son pari. Quel genre de pari? Du genre que j'ai gagné. Et qu'il a perdu. Alors tout ça pour un pari. Yeah.
Thank you.
Ça vaut à peu près combien un engin comme ça? Elle va coûter 1 200 000 $. Quoi? Est-ce que vous êtes débile? Le stock est mis dans un coutin. Cabriolet de 1970. 18 exemplaires, ami. Waouh! Une vraie coutin avec un moteur Emmy. C'est un peu comme le Saint Graal de la puissance, hein? Parfaitement restauré. Non, ce n'est pas parfait. Expliquez-moi ça. Il faut toujours avoir un aimant quand on achète une voiture ancienne. L'aimant adhère au métal. Il n'adhère pas au mastic. Réparation rapide. Un petit accident. Pour soigner le casse, c'est bon. Ils ont plongé pour tentative de vol. Mais ils nous ont juré qu'ils n'avaient tué personne. Et on les croit. Alors on a vérifié si un automobile était possible. On a suivi votre itinéraire vers l'ouest. Jusqu'à tomber sur un délit de fuite à Weatherford, Oklahoma. Une fille de 18 ans qui traversait la rue. Ben putain, ils ont reconnu la photo des Hortons. Il y avait un nez. Et il est resté avec elle jusqu'à ce qu'elle meure. Rien n'aurait pu vous empêcher de gagner. Pas même les feux rouges. Mais vous ne pouviez pas détruire cette machine. Alors vous avez tué Nick Hazelton, le seul témoin. Combien vous pariez que je vais trouver de belles traces d'encre et des cheveux quand je vais démanteler cette chose pièce par pièce? Tu es mieux placé pour ça. Dis à la femme des Hurton que son mari est mort pour avoir voulu sauver une fille qui était quelqu'un bien. Et que Devoisier devra payer pour tout ça. Bon. Alors, à bientôt. À bientôt. La femme des Hurton habite à Cleveland, je crois. J'ai pas mal de copains d'ici à Columbus. Je peux passer des coups de fil si vous avez besoin de boulot. Merci. Je vous ramène. Vous êtes bien, c'est